Je suis fier de toi. J'en ai rien à chier de mon image, mais nous plutôt des programmes débiles. Bonjour et bienvenue dans Super Master Mega Ultra Chef. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de l'eau. Souvent utilisée pour se désaltérer ou pour arroser ses plantes, elle est de plus en plus rare sur notre planète. Donc la recette est très simple. Vous prenez un grand verre d'hydrogène en poudre et vous le mettez 30 secondes au micro-ondes. L'oxygène présent dans le micro-ondes va fusionner avec l'hydrogène et donner un magnifique verre d'eau potable. Une fois les 30 secondes passées, vous n'avez plus qu'à boire votre eau potable. Régalez-vous. Délicieuse. Ce programme est hyper naze, ça ressemble à ce que nous sert le service public. Ouais, et encore là, je trouve que le mec joue pas trop mal. Salut les enfants, comment vous allez? Moi c'est Gazor Pazorpo, et lui, c'est mon meilleur ami Garfield. Et aujourd'hui, on va faire plein de trucs super. Ouais! Déjà, il faut toujours avant de partir chez soi, faire ses lacets. Alors la technique, c'est vraiment pas compliqué. En gros, on fait un nœud. Et bah alors Garfield, on n'y arrive pas trop? Arrête de m'embêter, espèce de gros fils de... Dis, tu crois qu'ils ont pris Bill Murray pour faire sa voix? On dirait vraiment que c'est lui. Non, ils ont pris Lorenzo Music dans cette dimension, il est toujours vivant. Ah, d'accord, et c'est vraiment son nom, ça? Ouais, je suis presque sûr, il a aussi fait la voix d'un des personnages de Ghostbusters. Ce qui est bizarre, c'est que c'est celui qui était joué par Bill Murray. Et autre coïncidence, après Bill Murray a fait la voix de Gazor Paz... de Garfield. Ouah, t'en sais des choses, et ça a été pareil dans cette dimension? J'en sais rien, je t'ai juste dit ça pour alimenter la conversation. Qu'est-ce que tu crois? Que je connais tout sur tout? Salut à tous, et aujourd'hui je suis venu vous montrer les nouvelles céréales Miel Pops Pops. Elles sont vraiment délicieuses. J'ai vraiment dû batailler pour les avoir car tout le monde a essayé de me les voler. J'ai dû tuer mon frère, tuer mon chien et même mon lapin. Parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Regardez, je vous fais même une petite digue pour vous montrer. Avec les céréales Pops Pops, on pourrait aller jusqu'au meurtre. Oh la vache, j'en reviens pas! C'est plutôt gore pour une pub sur les céréales, non? Tu trouves pas? Oh, tu sais, Mortis, s'ils veulent écouler leur merde, ils ont intérêt à faire un minimum dans le spectaculaire, sinon ils vendront rien. Avec le nouveau gel Pifit Ouf, que vous pouvez appliquer partout et surtout, vous pouvez nettoyer vos toilettes, votre évier et même votre torse. Votre femme ne pourra plus vous résister. Chérie, tu as mis le Pifit Ouf? Tu sens bon. C'est quoi cette connerie? Le sexe fait vendre, mon grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était quoi, ou juste un film ou une pub pour un produit ménager? Salut, papa. Qu'est-ce que t'as? Ah, ta mère et moi, on va faire un petit break, Morty. Et ta sœur a appris qu'elle avait été une enfant non désirée. Quoi? Puisqu'on en... Mais aux questions, tu... Tu veux... Regardez quoi? Ça te dit? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me faisais un petit peu chier, du coup j'ai fouillé dans mon grenier pour voir si je pouvais pas trouver des objets de valeur qui pouvaient me rendre riche, parce que j'ai vraiment envie de devenir riche. Et j'ai trouvé cette magnifique pierre de 14 carats. En vrai, j'en sais rien si elle fait 14 carats, et pour voir si je peux devenir riche, je vais la faire expertiser. Donc c'est parti. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé cette pierre dans mon grenier, et je pense qu'elle peut valoir des milliards, d'accord? Donc j'aimerais que vous me l'expertisiez, car j'aimerais devenir très très riche. J'entends. Écoutez, je pense que c'est de la merde. Ouais, c'est de la bonne merde. Vous me faites perdre mon temps, espèce de gros enculé. À ce moment-là, c'était un vrai coup dur. Mais je me suis pas laissé abattre devant le légendaire Jackie Brown. Parce que je voulais vraiment devenir riche. Du coup, je lui ai sorti mon arme secrète. Une pierre que je ne vous ai même pas encore montrée. Et qui, selon moi, valait du diamant. Alors par contre, calmez-vous mon Jackie. Parce que j'ai trouvé une autre pierre, regardez. Et je pense que celle-là, vous devriez la regarder d'un peu plus près. Parce que je pense qu'elle vaut énormément, celle-là. C'est bien ce que je crois. C'est du bratanite. Tu le sais. La pierre la plus rare de l'univers. Tu le sais, mon Jackie. Écoutez, je vous l'échange contre 500 millions de milliards de cralots. Eh ben vendu, mon petit Jackie. Bon bah c'était le premier épisode de cette émission « Est-ce que je vais réussir à devenir riche ?» et on a réussi du premier coup, donc c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi, au revoir. C'est pas mal, tu trouves pas? Oui, c'était pas mal. J'en ai rien à carrer de ce que vous pensez. Le 13 janvier, le nouveau film « La sieste et ses rebondissements ». Non mais... Un film aux 9 Oscars, dont celui du meilleur film. Des meilleurs décors et de la meilleure réalisation. Venez voir en janvier un homme qui dort pendant 1h30. La sieste et ses rebondissements. Bientôt au cinéma. Quelqu'un à Hollywood vient juste de perdre son job. Écrit et réalisé par Jerry Smith.
J'ai écrit et réalisé ce navet. Oh, quel con. Pas de bol, vous venez de manquer la bande-annonce du prochain chef-d'œuvre de votre père. Non, on s'en fout. Dites, si votre mère et moi on se sépare, vous choisirez d'aller vivre avec qui? On s'en fout. Flash spécial. Nous apprenons à l'instant que le citoyen Jerry Smith regarde les vidéos de Auguste sans y être abonné, ce qui constitue un acte illégal. Nous allons donc procéder à un tuto pour lui apprendre tout spécialement comment s'abonner, et s'il ne veut toujours pas s'abonner, nous ferons intervenir la police directement chez lui. N'y pensez même pas. Oh, allons, non, vous vous moquez de moi, c'est juste de la télé poubelle racoleuse et débile. Non, il s'agit de ma vie et on va la regarder. Alors Jerry, pour t'abonner, c'est vraiment pas compliqué. T'as juste à aller sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, ça je pense que tu dois savoir le faire, et appuyer sur le petit bouton rouge où il y a marqué s'abonner dessus, c'est vraiment pas compliqué. Et d'ailleurs ça vaut pour Jerry, mais ça vaut pour tout le monde en réalité. Et ça marche aussi avec les pouces bleus. En bas des vidéos, si ça vous a plu, vous avez juste à mettre un petit pouce bleu et ça fait super plaisir. Et puis de toute façon, si ça vous a pas plu, barrez-vous, hein, qui vous a dit de venir.